Yes, I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. Your suffering will be legendary even in hell. Décidément, Pinhead n'en demeure pas.
Bonjour à tout le monde. Hi William. Hi, the first one. Yeah, you are the first one, the chosen one. The chosen one. L'élu, hein, comme disent nos amis anglophones. Donc on se retrouve pour cette partie 5. Hein, cette partie 5 de Silent Hill 3. Silent Hill 3 en new edition. En HD en fait, voilà. En HD. Alors, où en étions-nous? Nous en étions ici. Les autres vont arriver, évidemment. Ils sont toujours en retard. Ils sont toujours en retard. C'est quand même terrible. Bon. Alors, nous étions arrivés à Silent Hill, à l'hôpital. We are in Silent Hill, in the hospital, William. Donc hier, j'ai fait une petite pause. Hein, mais là, on va ressortir. On avait checké tout. On avait checké tout le bas. Voilà. On était ici. Let's go, bro. Yeah. Time to play. As Pinhead said. Time to play. Donc, on avait checké tout le truc. Là, je vois qu'il me manque des pièces. Là, le director's room, le meeting room. J'ai pas fait tout ça, là. C'est quoi, Romain, là? Et par contre, ce qu'on a vu, c'est que là, dans la chambre C4... la pièce C4 juste à côté de la shower room, on a vu qu'il y avait un mec qui s'était amusé à coller des petites choses au mur. Donc a priori on pourra récupérer la clé là. Là il y a une clé. Par contre, ce qui est aussi d'intéressant, c'est qu'on peut prendre, je crois, l'ascenseur. Voilà, on va pouvoir prendre l'ascenseur. Donc directement, on va aller s'occuper de ces pièces qu'on n'a pas faites. Le verrou est cassé. It's broken. C'est cassé. Je fais tout. Normalement là. Voilà. Là on a une carte qui est proprette. Et on va prendre on va prendre the lift. L'ascenseur. Rendez-vous compte, j'arrive même plus à trouver mes mots en français. Bah on va aller au premier, hein. Ou peut-être déjà au sous-sol. On ne peut pas. Non, le premier on y est. Donc on peut pas, oui, parce que je le redis une dernière fois pour ceux qui sont au fond de la salle et qui ne suivent pas. Aux États-Unis comme en Russie, le premier, en fait, pour eux, c'est le rez-de-chaussée. Bravo. Ah bah bravo. Hi Venus. I kiss you. The second one, yeah. But the chosen one. The second one, but the chosen one. La seconde, mais l'élu. Hein, c'est ma femme. Elle me supporte. Dans tous les sens du terme, même si elle supporte ma chaîne, elle me supporte. Allez, on va changer d'arme. Hein. On va se remettre au katana. On va être bien mieux. On va être bien mieux pour parcourir ce second étage. Le verrou est cassé. Bon, il y a encore une lettre de notre admirateur. Hein, oui, parce qu'on a un admirateur, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Léonard, c'est... Bon, on va le savoir tout de suite. Je vais lire ça. Mais dis donc, elle veut pas. Pourtant, je suis bien en face, là. Ah si, dis donc. Bah dis donc. Tu me connais peut-être pas encore... Ah non, tu ne connais peut-être pas encore tes vraies émotions, mais tu les ressens inconsciemment. Et tu essayes de te rapprocher de moi. C'est une vertu, la voie du paradis. Si la porte est fermée, ouvre-la. Utilise le mot de passe du portail de la prison. Docteur, son nom m'échappe. Enfin, ce charlatan l'a affiché. Ok, donc une porte va être fermée, il va falloir l'ouvrir. Et le mot de passe pour ouvrir le portail de la prison, ça va être le nom du docteur. Alors, c'est pas le docteur Chanard, hein, comme dans l'excellent Hellraiser 2, Hellbound. Ok, donc ce sera le docteur. Ce charlatan l'a affiché, donc ça sera écrit quelque part. Il devrait être là aussi, tu penses. 4 chiffres auraient suffi, mais non. C'est dommage, non? Je ne suis pas là. Ça ne t'énerve pas? Tu me manques. Tu es si cruel. Je te veux quand même, Heather. Voilà, Stanley il s'appelle. Notre admirateur. Il nous fait des poupées. On peut pas prendre la poupée, hein? Non, il ne peut pas. Elle ne veut pas. Là, c'est verrouillé. Donc on pourra l'ouvrir.
Souvenir. Encore de la lecture. Une note tapée à la machine est affichée ici. Bah dis donc, c'est une très grosse machine, hein. Je sais pas si vous voyez le truc. Très très grosse machine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier est plus grand que le second. Le second fait deux fois le troisième. Le troisième est plus petit que le quatrième. Le quatrième fait la moitié du premier. Quatre des chiffres ne sont pas répétés. Trois ne figurent pas dans la rangée du dessus. Deux ne sont pas dans la rangée de droite. L'un des chiffres est la dernière clé. C'est verrouillé. Ah! Ok, il va nous falloir trouver le code. Bon, avant de faire ça, on va checker tout. Hein. Parce que là, je vais avoir... On va jouer avec le chat, évidemment. Ça va être plus rigolo. Bon, je vois que Vénus est en train de faire ami-ami avec notre ami William. Mais je surveille ça du coin de l'œil. Hein. Du coin de l'œil, je surveille ce qui se passe, quand même. William et Vénus, be careful. Alors, j'ai du dissolvant. Bah, alors, on a du détergent, on a eu l'eau de Javel, maintenant on a du dissolvant. Et regarde autre chose, là. J'ai du parfum, bah heureusement que je l'avais vu. Heureusement que je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le casier est coincé, j'arrive pas à l'ouvrir. Bon. Rien d'autre? Non, tout est coincé, j'arrive pas à ouvrir. Tout est coincé. C'est pas du dissolvant qu'il nous faudrait. C'est de l'huile. L'ambiance sonore est bonne, hein. J'aime assez, hein. Bon, il y a la Nurse Station qu'on n'a pas faite. C'était ça la Nurse Station? A priori, oui. Bon, on a encore quelque chose à faire par ici. L'énigme du code. Non, là il y a l'ascenseur, pardon. Je vais remettre la caméra dans le bon sens. Ah, ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Bon. Alors, j'ai quand même réussi à louper une porte. Ah, bah oui, parce qu'en fait la caméra tourne à ce moment-là. Ok, bon, on a tout fait, hein. On a tout fait. Moi, ce que je propose, c'est que, bon, l'énigme, là, on va la garder. On va la garder, on va voir si on peut se faire un autre étage. Puis on va y retourner après, hein. On va voir si on peut aller... donc là, on est au deuxième, on va aller au troisième. Il veut pas, donc on est obligé de faire l'énigme. On est obligé de se taper cette petite énigme. Il veut pas qu'on aille au B, évidemment. Donc on peut aller qu'au rez-de-chaussée et au premier étage, en fait, qui est le deuxième pour eux. Très énervant, je sais, mais c'est comme ça. J'arrive pas à comprendre. Not the little prince. I don't understand your question. Sorry, William. The kid is good. If I is well. He's fine, sorry. Je lui dis que mon gamin va bien. Je traduis en même temps, je sais qu'il y a des gens qui sont pas anglophones. Bon allez, on retourne... On va faire l'énigme. Elle est juste là, voilà. Alors il faut 4 chiffres. Hein. Le premier est plus grand que le second. Ok. Le second fait deux fois... Le troisième, il me faut un papier, il me faut de la notice là. Le premier, ok, le premier plus grand, le second fait deux fois le troisième, ok, j'ai une petite idée. Donc le premier va être va être plus gros. Hein. Imaginons, ça serait ça pourrait être 7, 6, 3 par exemple. Le troisième est plus petit que le quatrième fait la moitié du premier. Le troisième est plus petit que le quatrième fait la moitié du premier. Il me faut un petit paplard. Je suis désolé, hein, je prends un petit stylo. Il faut un petit paplard là.
Oh, est-ce que j'ai une petite feuille qui traîne? Mais j'ai mon petit calepin. J'ai mon petit calepin. On va faire ça simplement. Je suis pas très matheux, moi, hein. Je suis littéraire. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit deux romans. Je suis auteur. N'hésitez pas, d'ailleurs, hein, si vous sentez l'âme d'un lecteur, n'hésitez pas à taper Romain R. Martin. Me fais un petit peu de pub, un petit peu d'auto-pub avant l'énigme. Et j'écris deux romans, donc voilà. Si vous aimez le roman noir, quelque chose d'assez atypique, ça peut peut-être vous plaire. Bon, revenons à l'énigme. Alors, le premier est plus grand que le second, ok? Ok. On part du principe, par exemple, que le premier c'est 7, que le deuxième c'est 6 et que le troisième c'est 3. Ça voudrait dire que le deuxième fait le double du troisième. Le troisième est plus petit que le quatrième, donc ça pourrait être 2 ou 1. Admettons que ça soit 2, par exemple. Le quatrième fait la moitié du premier. Donc on pourrait dire que ça serait 8. Le dernier serait 4. Attendez, voilà, le troisième est plus petit que le... Eh ben c'est bon. 86-34. Mon Dieu, si c'est ça, là, ça mérite un follow. Hein. Si c'est ça, ça mérite un follow. Hein. Quatre-vingt-six trente-quatre, 86 34. Oh là 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 là! As-tu vu ça, William? Did you see that? Allez, on a déverrouillé ça en 2-2. Hein. Oui, mais bon, il me fallait un petit calepin. Voilà, je suis pas matheux. Alors attention là. On rentre du côté obscur. Bon, on a torché cette énigme là. J'ai eu un petit peu peur, je vais pas vous mentir au début. Elle, on va là. Ah, c'est coquine. Ça serait pas le moment de mourir, hein. On vient de faire le. Ah oui, elle était si mal en point là, ma. Ah oui, là, je suis mal, quoi. Allez, je me les fais comme ça. Ça marche très bien, le katana, comme ça. Sorry, Romain, I chat, but I'm watching and enjoying the game too. Oh, do as you want. Here, you can do what you want. Je lui dis qu'ici, il peut faire comme il veut. Qu'est-ce qu'il y a là sur le petit poignet? What is it? Tarte ta mère? Tarte ta mère? Mikey, l'heure de départ est mon indice. Ok. Quelque chose là. Les papiers sont éparpillés par terre. Il y a quelque chose d'écrit dessus, mais rien d'important. Et là, il y a un dossier médical. Est-ce celui de ce Maccabée? Antécédent inconnu. Nom, âge, inconnu. Patient non hospitalisé. Trouvé en mauvais état mental dans l'enceinte de l'hôpital et installé provisoirement en chambre M4 à la discrétion du responsable. Décédé tard dans la soirée suite au sectionnement de la carotide. Tenait son propre couteau de cuisine dans la main droite. Blessure au cou attribuée au couteau. Mais c'est suicidé, quoi. Suicide possible, mais angle de pénétration douteux. Douteux. Envoyé dans la salle de traitement du deuxième pour vérification. Aucune preuve ou confirmation d'événement du patient partageant la même chambre. Du patient partageant la même chambre, ok. La police n'a pas été prévenue. Bah, il aurait peut-être fallu. Bon. Minimum. Ceci dit, pour plus tard, laissez le lit et les effets de la victime intacts. Chambre M4. Ok. Donc dans la chambre M4, qui se trouve ici, on va avoir les effets personnels de
de notre petit ami qui s'est tranché la carotide et qui nous donne comme indice l'heure de départ et mon indice. Bon, encore une énigme. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait là? On va faire en face, on va tout faire dans l'ordre. Bon, la M1, évidemment. C'est de la M4. On va directement aller à la M4 d'ailleurs. Ok. L'heure de départ est mon indice. D'accord. Voulez-vous couper l'alarme? Oui. Regarde à nouveau. Ok. Ok, bon. Est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a évidemment, il y a ça. Hein. Bon, je vais déjà lire un petit peu là notre Stanley là. Qu'est-ce qu'il nous veut? You falling in love with the fly? No problem. Allez, rien que pour William. La petite mouche. Et voilà. Just for you. Just for you, William. Lucky man. Lucky boy. Ah, you. Today I'm watching you with three of my colleagues. Ah, it's very kind. You can ask them to follow me if they are very, very, really kind. Look, just the fly for you and your colleague. Allez, je fais plaisir à William et ses amis. Je lui montre la petite mouche. On est comme ça, ici. On gâte les gens. Il y avait un tatoué sur ce lit défait. Plus maintenant. Le réveil et le sacrado sont à lui. Mais ne te méprends pas, je n'ai rien fait. Je ne le haïssais pas, même si c'était un menteur. Si j'écrivais quelque chose sur ma poitrine, je ne peux ouvrir pour te montrer mon cœur. J'aime Heather. Non, quelque chose de plus violent. J'aime Heather n'est pas assez puissant. Oh, les tendres émotions qu'évoque cette image. Stanley Coleman. Il va toujours aussi bien, Stanley. L'attaché caisse est verrouillé. C'était quoi? C'était 1h30. Je sais pas lire l'heure, alors c'est toujours un peu compliqué. Non, c'était 1h38. Alors 13h. C'est 1h, je pense. Allez, reviens, petit coquin. Je vais me taper la honte, je sais plus lire l'heure. Comme les enfants qui sont sur internet, on sait plus. C'était 1h. Oui, c'est 30 quelque chose. Bon, c'est 13h alors. Oh, merde. Je suis pas si con que ça quand même. Quelle heure se réveille? Mon dieu. Oui, bah il est bien. C'est bien la petite aiguille, hein, on est bien d'accord. Il est 1h15, 30. Et ben c'est ça. Ah, il y a une tâche là. C'est peut-être les. C'est, ah oui, il y a une tâche. En fait, c'est 2h30. C'est 1h30. Bah oui, mais je l'ai déjà fait. Ça serait les secondes en fait, la grande. Il y en a une qui a été enlevée. 1h30. Je recommence. C'est pas dit qu'on va nous avoir comme ça. Ah putain. Mais même. J'ai déjà fait là. Je suis pas quand même fou, c'est bien 30 la moitié d'un réveil. Voilà.
À moins que je sois complètement con, mais... I'm a moron. Please, William, what time is it for you here? It's 1 hour, thirsty. Ah, no, it's 1 hour, 26, something like this. Ouais. Il est 1h20 quelque chose. Je suis un petit peu con, en fait. Je vais me faire juger, là. Alors, ça va être 13h. J'ai pas le pot, hein. Oh my god. Je suis pas fou quand même. L'heure de départ et mon... Et mon et... Là il est bien 1h... Non non, il est 1h30. Pourquoi j'ai dit 20? Ça aurait été bien. Il est 1h30... 34. 4 quoi, 30. 35, j'en sais rien moi. 1h40. J'arrive pas à lire l'heure. Je sais pas lire l'heure. J'ai jamais appris. Je devine en fait. Je devine. Ouais, give me the hour on the chat. Donnez-moi l'heure au lieu de vous foutre de moi. Allez, ça va être 40 quelque chose. Ah voilà, 1h42. Allez, c'est bon. On a perdu juste quelques minutes. Je sais pas bien lire l'heure, c'est pas ma faute. J'ai écrit 2 romans, je peux pas tout faire. Hein. Je peux pas être matheux et littéraire. Hein. Sure, I ask them, they will make account and follow you. One of them already has one. Ah, oh, thank you so much. Ah voilà, les collègues de William vont me suivre sur Twitch. Vous vous rendez compte? Bien, ça me... Me donne envie de chialer. Me donne envie de chialer. J'ai un appareil photo instantané. Très bien. Thank you, William. Thank you. I want to cry. Chialer. J'ai beau appuyer, l'ascenseur ne répond pas. Bon, désolé pour cette petite... hein, on a perdu un peu de temps sur l'horloge. C'est pas lire l'heure, je sais pas lire l'heure, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pourrais vous raconter l'histoire de pourquoi je sais pas lire l'heure. Pour vous la raconter. Quand j'étais gosse, j'étais en Normandie, moi je suis normand, je suis né en Normandie. Attendez, attendez, je vais vous la raconter après ça. Hein. Bon, y'a rien à prendre. Non, 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 non! C'est interdit! It's forbidden! On va crever. Non, c'est bon. Bon, je vais vous raconter. J'étais en Normandie et en fait la prof n'a rien trouvé de mieux que de me faire venir au tableau. Elle m'a fait venir au tableau et on apprenait l'heure à cette époque-là en classe. Voilà, j'étais en CE2 ou CE1, une connerie comme ça. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et elle m'a dit alors tu t'appelles Romain et tu connais pas les chiffres romains? Et tout le monde s'est moqué de moi et j'étais au tableau, je ne savais pas lire l'heure. Et depuis ce jour, je n'ai jamais lu l'heure. Ça donne pas envie de chialer, ça, vous aussi? Et ça m'a traumatisé, et du coup, je ne sais pas lire l'heure. Je me suis toujours acheté des montres digitales. Un blocage. Et puis une forme de colère, de haine. Voilà, il faut le dire. Il faut dire les choses. Le verrou est cassé, je n'arrive pas à ouvrir la porte. Pas de haine, mais de... Oui, un blocage. Ça m'a jamais intéressé, après. J'avais trouvé tellement con de me dire ça que je me suis jamais intéressé après à savoir lire l'heure. Voilà, c'était la petite confession du pourquoi, du comment. Comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose de casser la vie, de briser quelqu'un. Comme quoi, des fois, ça tient à pas grand-chose de briser quelqu'un. Bon, alors. On a un appareil photo.
On va quand même le checker cet appareil, parce que là, c'est bien gentil, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire avec cet appareil? On a le calepin de papa. Papa, il parle de mon passé. On devrait en faire un roman. Ah, ça tombe bien, moi je suis romancier. Ah mais non, mais on l'a déjà lu. Ah mais non, on l'a jamais lu. J'espère que ceci ne servira jamais à rien. Peut-être vaudrait-il mieux que tu ne l'apprennes jamais. Surtout, j'ai peur que tu puisses t'en aller, loin, me laisser. La vérité doit parfois être dite. C'est pour ça que j'écris ces lignes avant de me perdre dans la mort et dans l'oubli. Qu'est-ce qu'il a à me révéler, mon père? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a rien à voir avec qui tu es. Tout a commencé il y a 24 ans, en revenant de vacances. Mon épouse et moi avons trouvé un bébé sur le bas-côté. Merde, papa, c'est pas papa. Papa, c'est pas papa. Comme nous n'avions pas d'enfant, nous avons remercié Dieu de nous avoir envoyé cette petite. Nous l'avons ramenée chez nous. 3 ans plus tard, ma femme est morte, et 4 ans après, il y a 17 ans, je suis venu à Silent Hill. La fille me le demandait, alors je l'ai emmenée avec moi en ignorant pourquoi elle voulait que nous y allions. Et c'est là qu'elle m'a quitté. Pas physiquement, elle n'est pas morte, non, mais elle est retournée à son moi d'origine, comme me l'a dit Dahlia Gillespie. Moi d'origine, la jeune femme brûlée par sa mère en sacrifice à Dieu, Alessa Gillespie. Mon Dieu, on est Alessa Gillespie. Rendez-vous compte? Non, non, sorry William, I wasn't asking the time now, I was asking the time on the clock in the game. But thank you. La moitié de son âme s'est échappée des flammes et s'est réincarnée dans un bébé, dans ma fille, notre fille. Oh là là, la moitié de son âme s'est échappée des flammes et s'est réincarnée dans un bébé, dans ma fille, notre fille. 7 ans s'écoulèrent avant que cette moitié de fille ne revienne à Silent Hill et fasse d'Alessa un être entier. Désormais plus puissante, elle jura de tuer Dieu. Rien que ça. Eh ben, dis donc. Dieu, fœtus recroquevillé dans les entrailles de cet élu à sacrifier, invoqué par les rites usuels, telle était la volonté d'Alessa. Coûte que coûte, même au prix de sa propre existence. Mais sa volonté ne fut pas faite. À cause de mon interruption, elle se mit à vouloir le retour de la fille. Seule, je ne pouvais pas la ramener. C'est Dahlia qui l'a fait. J'ai seulement participé à la cérémonie d'accouchement pour sortir Dieu d'Alessa. Le Dieu nouveau-né a crié une seule fois avant de mourir, à cause de la résistance consciente de cette fille et d'Alessa sans doute. Cette fille, c'est nous, hein. Hein? Oh, sorry, because I didn't notice the time you ask, I was talking to my colleague. Ah, no problem, William. Pas de problème, William. Il nous a donné 1 heure qui n'était pas la bonne, évidemment. Eh oui, parce que vous avez suivi. Nous, on a besoin de l'heure du réveil. Pas de l'heure qu'il est maintenant. It's okay, William. Le Dieu nous venait à crier une seule fois avant de mourir, voilà, à cause de la résistance consciente de cette fille. Et d'Alessa sans doute. Oui, donc cette fille, c'est nous. Ce n'est pas fini. Après que Dieu ait disparu dans un rayon de lumière, Alessa a réapparu et m'a donné un bébé. Donc on s'est donné nous-mêmes. Enfin non, Alessa nous a donné. Elle ressemblait beaucoup à cette fille il y a longtemps. Puis plus d'Alessa, morte. Je ne pouvais rien faire. J'ai serré le bébé contre ma poitrine et je suis enfui en courant. On aurait dit un songe, mais j'avais les preuves que c'était bien réel. La fille était introuvable et je tenais dans mes bras le bébé. 17 ans ont passé, ça me semble si proche et pourtant si loin à la fois. C'est vrai, j'ai hésité avant de décider d'élever le bébé. L'aimerais-je? Son existence est tout à fait inexplicable. Je me suis dit, elle pourrait être la jeune femme qui m'a enlevé ma chère fille. Ça me rendait triste, furieux. Plusieurs fois, j'ai même mis les mains autour de son petit cou, comme pour serrer. Plusieurs fois, j'ai même voulu l'abandonner. Voilà l'étendue de ma méchanceté. Mais j'ai décidé de l'élever. Après tout, je n'arrivais pas à la laisser. Quand tu me regardes, tu ris tellement. Je n'ai toujours pas oublié cette fille, mais je t'aime, car j'en suis certain, c'est tout ce dont... Non, c'est tout ce que je te demande de croire. À ma fille bien-aimée, Harry Mason. Eh ben, dis donc. Eh bien, on a bien fait de le lire. Ça a pris un peu de temps, mais. Bon, on a la lettre de. Le calepin de papa. Ben, le papa.
Hein? Bon. On a le dissolvant, ça décolle le vernis à ongles. Ah bah voilà! Je l'ai trouvé dans le vestiaire des femmes. Eh bah oui, on va se servir de ça d'abord. Appareil photo instantané. Au contraire d'un appareil photo ordinaire, les photos se développent instantanément. Oui, on appelle ça un polar. Un Polaroid. Ok, donc on retourne. On va reprendre l'ascenseur. Hein, tout de suite. On va reprendre l'ascenseur. Et on va se diriger. Et bah pour. Ah, évidemment, ils sont tous revenus, ces enfoirés. Pardon. Ces coquins. Il est où l'ascenseur? Il est là. Très bien, donc on retourne au premier et on va les prendre. On va s'occuper de la clé là. Salut Nictaras. Alors Nictaras, il est en retard d'une demi-heure. 40 minutes. Ah, bravo. Pour la peine, il n'y aura pas la mouche. Pour la peine, il n'y aura pas la mouche pour Nictaras. Non, non, non. Alors là, on vient de faire une. Nyctaras, on vient de faire une énigme. Deux fois sur des chiffres, c'était pas simple, mais je m'en suis sorti. Ah, quand tu verras la VOD, tu te moqueras de moi pour l'heure. Et j'ai expliqué. En fait, il fallait trouver l'heure de quelque chose. Et. Non, c'est pas cette pièce-là, c'est la C4. Non? Non, 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 non. Oui, là c'est 4. Il y avait une heure à trouver et j'ai expliqué pourquoi je ne savais pas lire l'heure. Donc tu as manqué à un moment de ma vie. Et là on a trouvé du détergent. Enfin pas du détergent, du dissolvant et on va l'utiliser pour récupérer une clé. Oui. À propos de Léa, j'ai utilisé le dissolvant. Voilà, on a récupéré la clé. J'ai une clé de cage d'escalier. Bon, très bien. Oui, à propos de Léa, je me suis renseigné hein, par rapport au fait de pouvoir proposer différentes résolutions pour les gens qui me regardent. A priori, il faut que je sois affilié pour pouvoir proposer ça. Pour le moment, je ne peux proposer que du 720p. Je pourrais proposer en dessous et peut-être au-dessus quand je serai affilié, c'est-à-dire il me faudra 50 followers. Pour le moment, ce n'est pas le cas. J'en ai un peu plus de la moitié. J'en ai 27. Mais nous ne sommes pas encore affiliés. Ok? J'ai hâte de voir ça demain. Pourquoi? De quoi? I hope, bro, you had a good day. J'ai hâte de voir ça demain. Ah oui, quand je t'ai raconté par rapport à pourquoi je ne savais pas lire l'heure, oui. Clé de la cage d'escalier. C'était collé à un mur d'une chambre d'hôpital. Alors, la cage d'escalier, est-ce que c'est ici? Non. Maintenant, d'un rapide coup d'œil, vous voyez là, maintenant, d'un rapide coup d'œil, je vois tout de suite si c'est ici ou pas. Hein. Oui, demain, tu pourras regarder la VOD sur YouTube, Bosseron 14, sur la chaîne Bosseron 14, et tu sauras le pourquoi du comment. J'ai fait une petite anecdote confession. J'ai failli chialer encore. Hein. Je cache pas que là. Surtout que c'était vraiment une anecdote que j'avais jamais dit à personne. Hein. Ah non, parce que devant mon problème à trouver l'heure, il a bien fallu que j'explique. J'arrivais pas à trouver l'heure sur une horloge. Il a bien fallu que j'explique. Bon, ça respire fort ici. Normalement, ça doit être la porte ici. Enfin, non, pas là. Attendez, attendez, attendez. Ah, pas du tout. Je suis pas du tout dans le bon sens, absolument pas. Alors toi, tu m'as loupé, mais moi je vais pas te louper. Putain, là, elle m'arrive à me toucher quand même. Vite, on se casse. Allez, un petit coup de botte pour bien lui montrer qui est le patron. Ah le. Comment dire? Allez hop, sur la nuque, ça fait du bien, ça relaxe les lombaires. Je pensais que la résolution s'adaptait à la bande passante du spectateur. Par exemple, si tu as une mauvaise connexion, tu passes sur une qualité moindre. Eh bien, oui, mais quand il n'y a pas possibilité d'une qualité moindre, t'es dans la merde. C'est-à-dire que moi, je ne peux proposer que du 720. S'il y avait possibilité de 480,
Là, tu as raison, effectivement, tu passeras en 480. Mais moi, je ne propose pas de 480. C'est tout ou rien, tu vois. Pour Léa, c'est tout ou rien. Je crois que ça va être ici. Voilà, j'ai utilisé la clé de cage d'escalier. J'aurais bien aimé une cinématique, hein. Attendez, je fume un coup. Et voilà, ton contenu de qualité demande un matériel de qualité. Et voilà. Alors je descends tout en sachant que ça va pas être ça. Mais bon, j'aime bien, moi. Alors on est revenu là? Non. Ah, on pouvait prendre les escaliers depuis le départ? Ah bah, première nouvelle. J'avais pas moi ça. Ah, cinématique, je peux. Absolument pas une cinématique, mais le jeu est si beau. Le jeu est si beau, j'ai cru que c'était une cinématique, moi. J'ai des balles de mitraillette. Oh là là! Alors voilà, quand je vous parlais de l'Enhanced Edition et que les développeurs se sont amusés à regarder nos peurs primaires, encore un exemple de peur primaire, trouver un objet complètement incongru. Bah, remarque, c'est pas totalement incongru, c'est une chaise. Une chaise d'handicapé dans un hôpital. Non, là c'est un mauvais exemple. Il y a eu un micro-ondes, oui. Par contre, là, il y a du sang. Hein. Ah, mais il y a quelqu'un qui s'est fait fu fusiller. Fusillé, mitraillé. Eh ben non, je suis bien content d'avoir trouvé la mitraillette. La trace de sang continue dans l'ascenseur. J'aimerais bien jeter un coup d'œil, mais ça fout un peu les jetons. Le verrou cassé. On a bien fait de descendre, dis donc, heureusement. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Que de vieux trucs. Je ne vois rien d'important ici. Normalement, on doit pouvoir faire F5. Enfoiré. Je sais pourquoi. Non, il... Ah voilà. J'ai compris. C'est parce que la souris n'était pas sur l'écran. J'ai enfin compris le mystère de ces sauvegardes qui ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un espace louche entre l'étagère et le mur. Mais je ne peux pas m'y glisser. Et pas moyen non plus de déplacer l'étagère. Tiens donc. Ok. Et qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire qu'on pourrait utiliser? Faire une photo? Ah. Et pas bête, Romain, hein? Comme ça, on va voir ce qui s'y trouve. Avec notre Paula. Qu'est-ce donc? Un code? Oui. 8615. Très bien. Là, on a vraiment fait tout dans le bon ordre, hein, sans le faire exprès. Que de vieux trucs, je ne vois rien d'important ici. Une chaise roulante renversée avec une trace de sang rampante. Voilà. Excuse-moi, je découvre un peu ton message en retard. Qu'est-ce qu'elle dit à propos de la chaise? Elle est peut-être dans cet ascenseur? Ah oui, c'est quelqu'un qui a rampé. Alors c'est quoi l'histoire? Il était dans son fauteuil roulant. Il a décidé de descendre, de ramper et il s'est fait fusiller ici. Il s'est fait mitrailler ici. Ou alors il s'est fait mitrailler ici. Il a rampé jusqu'à la chaise roulante. Ou alors c'est la chaise roulante qui a rampé là. Voilà, moi je pense que c'est plus ça. C'est la chaise roulante qui a rampé. On est passé là? Non. Carte bancaire. Ah, c'est le code d'une carte bancaire. Je me souviens déjà plus du code. Tu ne peux pas y aller finalement? Il y a des traces de main sur l'ascenseur. Non, non, on peut pas y aller. J'y retourne pour te faire plaisir. Mais puis aussi parce que tu me donnes le doute. Mais je crois pas. Je ne peux pas appeler l'ascenseur d'ici, non. Et là, des traces de sang continuent dans l'ascenseur. J'aimerais bien jeter un coup d'œil, mais ça me fout un peu la trouille. On peut peut-être faire une photo? Ce serait bien. Un petit bonus. Qu'est-ce que je fais? Faut aller dans les objets. On a du parfum aussi. Ça sent un peu bizarre.
Mais il est où notre Polaroid? On s'en est servi qu'une seule fois, il a disparu? Et c'était quoi le code? Elle est où la photo? M'en souviens plus moi du code, c'était quoi? Voilà, 8615, merci. On a du parfum, hein. Et tout à l'heure, on a lu Le calepin de papa. Alors, je t'invite à regarder la VOD aussi, hein. C'était long, hein. Mais on en a appris beaucoup sur le lore. Beaucoup sur le lore. Bon, bah, du coup, 86. 86-15. Régalade. Du coup, on va monter au troisième. Ça signifie qu'on est sur le bon chemin. Attendez. Là, on n'avait pas de code à mettre, hein. Je regarde. On l'a faite. On a tout. Ah, non, 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 on est là. Allez. Allez, mes amis, là. On sort les doigts des fesses. Et on fait tout. C'est verrouillé. Bah 86-15. Et voilà! Oh putain. Allez, on en profite quand même. On fait tout bien dans l'ordre là. Là, là c'est fluide. Bon, il n'y a eu que ce moment où là, il a fallu que je trouve l'heure. Bon, un petit peu merdouillé. Mais on pouvait y aller par l'ascenseur. C'est n'importe quoi. Allez, je rouvre les portes. Autant pour moi, je. Mais on pouvait y aller par l'ascenseur. Mais c'est un autre ascenseur. Je comprends rien. Pourquoi on n'a pas pu aller au 3F alors? L'ascenseur voulait pas, mais maintenant il veut bien. Bon, allez. Faut pas chercher à comprendre. Il y a des moments, faut plus chercher. Régalade. Beaucoup sur l'eau l'or. Allez, pour la peine la mouche. J'ai pas compris ce que tu me dis. Mais ça va nous réconcilier. Voilà. Le verrou est cassé. Je n'arrive pas à ouvrir la porte. Bon, de toute façon, on était au courant que c'était pas là qu'il fallait aller. On a ouvert la porte avec le digicode. T'as vu comment je te gâte, Nick Taras? Alors que tu le mérites peut-être même pas. Bon, je me prépare hein, maintenant. Comment il a été bien modélisé là le torchon là, enfin le magazine. J'ai une boisson revigorante. Ok, c'est un torchon hein, de toute façon. Et c'est regardez, c'est le lit où on avait laissé voilà, t'es trop gâté. C'est le lit où on avait laissé comment elle s'appelle? Ah oh, mince. Maria, pardon. C'est le lit où on avait laissé Maria. Tout fait sens. Ça nous a jamais servi. C'est pour les chiens. C'est un appât, c'est un leurre pour les chiens. Ah. On va encore avoir. Là, il y a une boussole par terre, là. Je suis pas fou. Une cliente m'a appelé ce soir pour me confier son beauceron taré. Je lui ai dit que j'avais l'habitude et j'ai fait la pub de ta chaîne sur Twitch. Peut-être qu'elle viendra. Qu'est-ce qu'il a comme problème, ce bosseron? Je t'ai dit que j'en ai eu un pendant 11 ans, alors je peux peut-être t'aider. Au revoir, Heather. Pardon de n'avoir pas su répondre à ton amour. Tout est fini. C'est Stanley qui nous parle. C'est notre amoureux secret. Léonard me hait parce que je me suis moqué en disant que ça finirait comme ça. Sans ces embrouilles, j'aurais pu te rencontrer bientôt et j'aurais pu t'emmener dans mon monde. Un monde rien que pour nous, plus beau que celui-ci. Et j'attendais ce jour, aujourd'hui. Le jour où je te verrai, où tu me sauverais, aujourd'hui. Heather, méfie-toi de lui. Léonard est bizarre. Adieu, je t'ai aimé. Heather, ma déesse. Heather, ma chérie. Heather, ma. C'est quelque chose. Donc il faut qu'on soit gaffe à Léonard. Hein.
Le petit père Léonard. Oula, oula, oula! Vous avez vu ça, là, la surprise? Je vais lire ton message. Je termine l'infirmière. Qui m'attaque? Mais qui me tire dessus, là? Oh là là, mais on va mourir. Attends, attends, je vais lire ton... Il y a quelqu'un qui me tire dessus. Ah non, c'est des infirmières. On peut aller dans la S12. Téléphone. Je réponds au téléphone et je lis ton message. Cinématique. Les heures qui passent. Très bon, très bon. Pour la peine, la mouche. C'est Léonard, ça. What a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Mais tu vas l'être. Validé. Leonard Wolf. Hey, voilà, c'est Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Hein, Claudia, c'est sa fille. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Mais il a quel âge? One of her followers? No, never. When I find her, I'm... I kill her. I can feel the hatred. What? I can feel your hatred. Sorry, but she killed my father. Bah oui, puis c'est pas rien. On en avait besoin de notre père. But she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways. But I see it's too late. On a enfin un peu de cinématique. Will you help me? Oui, oui, on va t'aider. Leonard. Locked up in here, and I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. Oh, mais quand il dit le deuxième étage, en fait, c'est le troisième pour eux. Hein, c'est toujours cette histoire de rez-de-chaussée qui est le premier. Bon, oui, je vais te nommer modérateur, si tu acceptes, comme t'aimes être validé par Sa Majesté des Mouches. On n'a aucun lien, mais ça me fait plaisir. Oui, on se fait tirer dessus par quelqu'un. Ah, lui, on a un flingue. Putain, pourquoi je suis revenu là? Très mauvaise idée. Mais elle va nous faire chier. Elle allait nous remettre des coups de balle dans le dos, je le sais. Et on est tout de suite dans le rouge. Ok. Modérateur, moi, je vais avoir un droit de jugement. Tu es complètement inconscient, mon pauvre. Exactement.
Tu sais combien de civilisations se sont perdues à cause d'un modérateur mal élu? Oui, mais justement. C'est pour ça que j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est à titre expérimental. C'est à titre expérimental. À titre expérimental, on va tester ça. Évidemment. C'est pour de vrai comme pour du faux. Alors au bout du couloir, il dit au deuxième étage, mais en fait le deuxième étage c'est le troisième, alors faut comprendre. Pardon, je me suis trompé dans le bouton. Je trierai sur le volet, en deux lignes, bien droites. Ah, je te fais confiance. Pour la peine la mouche. Pour la peine la mouche. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Oui, oui, il y a deux ascenseurs, c'est bien ça. Je vais checker l'autre. Et parallèle, oui, évidemment. si elles sont bien droites, normalement. Si tu fais ça bien, normalement elles seront parallèles. J'ai beau appuyer, l'ascenseur ne répond pas. Oui, il y a bien deux ascenseurs. C'est pas fou. Bon, alors ça se trouve, c'est vraiment au deuxième étage. Et il a dit qu'il avait un seau. C'est à n'y rien comprendre. Alors, on est là, on va reprendre l'escalier, hein, qui se trouve ici. Et puis, on va aller au deuxième, alors. Alors, du coup, c'est le premier. Ça n'y rien comprendre. Ça n'y rien comprendre, regardez. Le rez-de-chaussée, pour eux, c'est le premier. Donc, quand il dit le deuxième étage, ça devrait être le troisième. Enfin, bon, bref. Et là, c'est vraiment le deuxième. C'est-à-dire le premier. Ah, bon. Allez. Il a dit qu'il se trouvait au bout. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Tu te souviens, Nictaras? Alors, peut-être que c'était vraiment le troisième et puis j'ai complètement... Il a dit au bout du hall, dans le couloir. Ouais, je refais les... On arrivait par là. Là, on est au deuxième étage. Hein. Je me souviens absolument de rien. Toujours sous le choc de mon élection. Je ne sais même pas ce que tu cherches en fait, ni même qui tu es. Alors, faut que je regarde comment on fait, hein, pour mettre un modérateur. Non, non, mais il est pas là. Il est pas là. Non, non, mais ça va être comme je l'ai dit. Ah, mais merde. On a failli se faire avoir, là. Non, 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 là... Ah, au bout du couloir, ça serait ça. Et voilà. Attendez, je veux voir s'il y avait la carte avant. Et voilà, on peut passer ici. Ça y était pas tout à l'heure. Je vais modérer qui? Les trois Pékins qui passent une heure tous les soirs? Bon, d'accord. Bon, t'es plus modérateur. T'es plus modérateur, tu te moques. On débute. C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et ça parle beaucoup. Imaginons qu'il y a un raid. Ça m'arrivait une fois. Il y avait 9 personnes d'un coup. Moi, j'ai pas pu les gérer. Hein. Oh, il va y avoir un petit côté labyrinthique. Et j'ai pas pu les gérer. Il y avait de l'insulte. Il y a eu de l'insulte. Il y a eu de la xénophobie. Il y a eu du racisme. Il y a eu de la transphobie, il y a eu de l'agrophobie, il y a eu tout. Comment je fais, moi? Non, moi je vais par là. J'ai envie de mourir. Comment je fais dans ces moments-là? Eh ben, j'ai besoin de Nictaras. Voilà, ça te va. Tu vois? J'ai réussi à éveiller ta conscience. En fait, c'est une forme de devoir. T'as pas vraiment le choix. Je savais bien que j'allais trouver les mots. J'allais trouver les mots. Je le savais. Qu'est-ce qu'il y en est retourné où on était? Non. Merde, là par contre, vous voyez, là j'ai fait une erreur gravissime. Non, c'est bon. Ça aurait été encore une porte, je savais plus d'où je venais.
Et puis il veut pas que je tourne la caméra. Bon, je vais m'occuper de la liste des nouvelles N mises à jour 2021. J'ai pas compris. Ah oui, pour savoir. Pour savoir à quoi on va être confronté, bien sûr. Attendez, on vient d'arriver là. Oh là là, je sais pas par où passer, moi. Bon, on va tenter à gauche. Ok. C'est un petit labyrinthe, hein. Ça va, c'est pas... C'est pas le plus dur qui m'a été donné de faire. Hein. Vu que tout est balisé. Ah mais holo. On avait dit plus jamais ça. Tiens, une carte de ce labyrinthe? Non, évidemment que non, regarde. Je n'ai pas la carte de ce secteur. Ah bah non, sinon je me serais... Tu te doutes bien que je me serais amusé à checker toutes les 5 secondes. Et il va me remettre dans le couloir. Dis donc. Attendez. J'espère que je suis pas revenu en arrière. Non, je crois pas. Je crois pas. Bah dis donc. Ça fait un peu peur. Allez. Cette image. Celle-ci me donne pas mal la tête. Celle-ci ne me donne pas mal à la tête quand je la regarde. Ah bah c'est bien la première fois. Mais je connais celle-ci. Ça doit être... Celle qui fait disparaître mon fond vert, oui. Pas bien compris. Qu'est-ce que... Je rêvais ou quoi? Le modérateur a supprimé votre commentaire et vous a banni pour une durée indéterminée. Non, faut être un petit peu plus... Faut être un petit peu moins plus laxiste. Qu'est-ce que c'est? Je rêvais ou quoi? Non, c'était plutôt comme regarder une vidéo dans une pièce obscure. Mais cette infirmière, je la connais. Lisa, si gentille avec moi dans cette horrible chambre d'hôpital. Mais c'est vrai qu'elle est devenue un peu bizarre. Je sais pas de qui elle parle, mais... Bon, allez, on continue. Par contre, je pardonnerais jamais à Léa de pas être venue ce soir. Comme Tama, il est parvenu non plus là. Regardez-moi ça, c'est fantastique. Ça va être ma capture d'écran. Je m'arrête là, 2 secondes, et je fais comme si j'étais étonné. À 1 minute 3. Ça sera ma vignette pour YouTube. Et regardez, il est en train d'ouvrir une vanne. Il est en train d'ouvrir les vannes. Mais alors la nanette, ça allait ça? Non, c'est un mix de... C'est la partie malfaisante. Il y a une part... Allez, ça, c'est la partie malfaisante. Et Heather, c'est la partie bienveillante. C'est un racarnat en bébé gentil. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça sent la fin du jeu. Hein. L'ascenseur ne répond pas, même pas quand j'appuie. Tu me dis si c'est trop fort. Hein. C'est trop fort, n'hésite pas. Hein. Oh là là, mais mon dieu. Cette ambiance me rappelle vraiment le film pour le coup. Il était plutôt fidèle. Oui, le film était assez fidèle. C'est pas un chef-d'œuvre? Oh, c'est joli là aussi. Hein. Ça pourrait faire une capture aussi. Hein. Magnifique là. Ouais. On verra. Oh bah non, j'ai voulu passer là. Incognito. On peut prendre l'ascenseur. Heureusement. Heureusement. Alors du coup, on va où? B1, B2, je tente tout en haut. Il veut pas. Au deuxième. Ah, on descend. Mais du coup, on retourne là où on était. Peut-être pas. Non, regardez ça, on n'avait pas vu ça. C'est une espèce de prison. Pas mal, hein. Pour du 2003, c'est très bon. Hein.
téléphone là. Ce n'est pas le casier qui sonne. Il doit être de l'autre côté. Non, on peut pas. Cinématique. Happy birthday to you. Happy birthday. Je me souviens plus du nom du type. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, thanks. Je le retrouverai pour la prochaine partie. Happy birthday, dear. Who are you? Happy birthday to you. Happy 31st birthday! Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number 7. J'ai déjà entendu ce rire. It's time to celebrate your birthday. Ouais, Léa nous aurait répondu. You got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. Ah, elle a 24 ans. And I have a present. Moi qui disais qu'elle était pas majeure. Toutes mes confuses. Do you prefer to give pain or to receive it? La voix est pas mal, hein. The one you hate the most. Dahlia. On n'aime pas Dahlia. Elle a tué Popo. Happy birthday to you. But you're wrong. But you're wrong. It's not my birthday. Bah, elle est bien gentille. Tout part à volo. Il y a du sang un peu plein les murs. Il y a un dingo qui lui parle au téléphone et elle a dit mais c'est pas mon pour mon anniversaire. Bah non, mais il faudrait peut-être que tu te préoccupes un petit peu d'autre chose. T'as pas l'impression que c'est un cauchemar? Mais oui, Léa nous aurait donné la réponse. Elle sait tout du background. Alors, on va essayer de passer. Et évidemment, on peut pas. Putain, je vais mourir. Oh bah ça va, il m'enlève pas trop de vie. Prends l'ascenseur. Merde, mais il est où cet ascenseur? Ah, c'est bon, on a la carte. Il y a rien du tout ici. Ah, j'ai envie il y a une pièce que j'ai pas faite. Ah putain, ils vont très très vite, hein. William is still here. You are still here, William. Bon, ils sont trop difficiles, hein. Enfin, je veux dire, il faut avec le sabre, ça ne va pas. Il y a une chambre qu'on n'a pas faite. Oh putain, mais on va se faire avoir à chaque fois. J'aurais dû saver. Merde, mais on est revenu dans le là où on était. Ah, c'est en face. Ah, on peut rentrer. Et heureusement que j'y suis allé. J'ai un sac en plastique. Putain, heureusement que nous y sommes allés avant d'aller prendre l'ascenseur. J'ai une boisson revigorante. Alors, elle a des gros soucis d'adaptation, cette nénette. Un ascenseur plein de sang après 20 heures de cauchemar, un katana à la main. Ah non, c'est dégoûtant. Oui, eh oui, c'est exactement ça. Bon, là, vous parlez entre vous, d'accord. Ok. Allez. Je ne vois rien d'important dans les ordures, pas la peine de continuer à fouiller. Hein?
Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que cette immondice? Quelque chose d'étrange est enfermé dans le casier. Je pense qu'il n'y a pas de risque, mais mieux vaut ne pas trop s'approcher. Je suis un peu dyslexique aussi. Hein. Un peignoir blanc taché de sang est accroché au mur. Est-ce un signe? Par contre, regardez. Hein. On a trouvé ça. Hein. Un sac en plastique. Un sac en plastique transparent ordinaire. Il vient d'une poubelle dans le vestiaire. Mieux vaut ne pas s'approcher, dit-elle, la tranche collée contre le... le truc. Et on a du parfum aussi, hein. On a du parfum depuis le départ. Bon. Et on a un sac en plastique, hein. Bon, où on va, là? On est ici. On peut tenter d'aller dans cette zone-là. Je tourne à droite et encore à droite. Voilà. Ah mais non! J'ai envie de pester là. On a pas de copains. Oh, putain merde, on peut pas. Oh putain merde. Difficile. Ils sont difficiles eux. Allez, on reprend l'ascenseur. Ok. Là, on est au deuxième. On a fait le... Non, on n'a pas fait le troisième. Si, mais il nous manque des pièces. Je retourne au troisième. On a un sac plastique maintenant. Hein. Mon nom, c'est Romain. Pas Roman. Alors, je te répondrai pas. Oh merde, non mais là c'est l'enfer, j'ai fait n'importe quoi. On va mourir ici comme des cons. Ah c'est déverrouillé. Oh lolo 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 F5. Venus is she's in our room with the baby. Je dis à William que Venus est dans la chambre avec le bébé. Ah it's okay, it was a joke. You can call me Roman. No problem. It's my international name. Je dis à William que c'est mon nom international, Romain, et que ce n'est pas grave. Alors. La carte. Du coup, on se trouve ici. Alors, juste derrière nous, il y a une porte. Et on peut rentrer. Putain, mais heureusement. Mais j'ai l'impression de tout faire bien dans l'ordre. Là. C'est... Oh, mais d'accord. Vous avez vu ça, lui? Ça me rappelle quand j'étais gosse, mais on avait des moutons et mon grand-père tuait les moutons comme ça. En Normandie. Il y a un macabé pendu au plafond. C'est marrant d'en parler hier avec ma femme. Son sang... des moutons hein, qu'on tuait. Son sang a complètement rempli le seau placé en dessous. Qui aurait pu faire ça et pourquoi? C'est un vrai carnage. Allez hop, on utilise le sac. Déjà on se met un peu de vie. Alors je lis le chat. Venice seems to have some more important stuff to do. Bah oui. Et oui, elle s'occupe du bébé. She cares about our baby. She's busy. Elle est occupée. Putain, je suis ouvert, mais quand même. Mais oui, mais... C'est Silent Hill, hein. Bon, j'ai dit que j'utilisais le... Regardez ça. On trouve tout du premier coup, là, maintenant. J'ai mis du sang dans le sac en plastique. J'ai un sac en plastique avec du sang. Bon, on a une poche à perfusion, quoi. Ok, bon, maintenant, il s'agit de pas se tromper de direction. Parce qu'on est très très fort pour ça. Il y a deux portes qu'on n'a pas faites. Mais comment veux-tu les voir, les portes? Allez, oh là. Ça, c'est... Oh, regardez-moi cette main. J'ai des balles de pistolet. J'ai des balles de pistolet. Ah non, she play sometime. She finish Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, and she beat not so far ago. She beat Hollow Knight. Very good game, both of them. Je dis à William qu'elle joue,
Mais elle a terminé Hollow Knight il n'y a pas longtemps, puis elle a fait Breath of the Wild. C'est moi qui lui ai fait découvrir. La main derrière la fenêtre. Il faut faire quelque chose là? Non. Allez! Putain. Non, bah évidemment que non, mais bon. Ah, peut-être le parfum? Mais il n'y a rien sur, sur notre map, donc il n'y a rien. Et est-ce qu'on peut mixer. On peut combiner ça avec ça? C'est inutilisable ici, mais c'est ça qu'il faudra faire. Il va falloir combiner le parfum. C'est glauque, hein. Ça me plaît. Yeah, it's a difficult game. And but little by little, she was brave and she beat it. Oui, Hollow Knight, c'est un jeu difficile, mais petit à petit, c'est ce que je dis à William, elle a réussi à le terminer. Mais c'est vrai que c'est un jeu dur. À partir du moment où elle a fini Hollow Knight, je lui ai dit qu'elle pouvait faire les Dark Souls. Elle était assez patiente. Elle était prête. Bon, où va-t-on aller maintenant? Il y a encore une porte là qu'on n'a pas faite. Ah, mais dit quelque chose là. Il y a un brancard laissé à moitié dans la pièce. Peut-être qu'on le transportait. Oui, on apportait sûrement quelqu'un ici. Moi, je veux un jeu d'énigmes après Silent Hill 3. Oui, on va faire ça. Peut-être qu'on le transportait. Oui, on apportait sûrement quelqu'un ici. Oui, pardon, je suis en train de lire deux fois la même chose. L'ascenseur ne répond pas quand je l'appuie, quand j'appuie. Bon, on a tout fait là, hein, à cet étage-là. Ah non, il manque la S6. Attends, j'étais persuadé d'avoir cliqué partout, hein. Bon, on l'a faite. Allez, on a tout fait là. Mais on peut prendre l'escalier pour arriver au deuxième. On va faire ça. J'ai un éclair de lucidité là tout de suite. You have a gamer family, you're lucky. Yeah, we are a family, gamer family. Oula. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Yeah, his son will play Crash Bandicoot as soon as he can hold the joystick. C'est possible. C'est bien possible. Donc là, on va reprendre. Déjà, on va mettre la mouche, hein, ça faisait longtemps. Hein, je suis désolé, mais bon, c'est comme ça. On va retourner tout au bout. On a une poche de sang. On va falloir le vaporiser. Ah mais merde, à chaque fois je me fais avoir. Mais merde. Oh là là là. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'agace. Le temps qu'elle met à se relever. J'aurais dû les tuer. Le temps qu'elle met à se relever, ça... on peut aller au premier. On va aller au premier. Voilà, au premier, on n'a rien fait. Là, par contre, on les tue. Hein. Alors, attendez, je connais hein, le jeu, donc je sais qu'ici, on peut checker, mais il va y rien avoir. C'est verrouillé, ok? C'est cassé. Je prends le flingue. Il va nous embêter. On a une mitrailleuse. Aussi. Mais. Oh, que tu m'agaces. Il est pas mort. Ah ouais non mais ils sont drôlement résistants là. C'est bon. Je recharge. C'est bon. On a fait le ménage là. On va aller à la cafétéria. On a fait le ménage. Tout était...
Bon, on a une poche de sang et un vaporisateur. Il va falloir qu'on vaporise du sang. Alors, je sais pas sur quoi. Peut-être pour reconnaître de l'ADN ou quelque chose. Je sais pas. Quoi? Qui me veut du mal? Ça, c'est la sortie de l'hôpital. Hein. On est où là? Attendez. Some women don't let their husband play. Yeah, sadly. You have to choose wisely your woman. Je dis à William qu'il faut choisir très 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 attentivement sa femme. Très judicieusement. Bon bah c'est un leurre. Hein. Le verrou est cassé. C'est une pièce où on ne peut rien faire. On va ressortir tout de suite. Allez hop. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a dans notre panier? Don't choose a woman who will choose for you. C'est ça. C'est bien résumé. Il y a une note sur la feuille médicale. Docteur Midkiff. Vous vous souvenez hein, qu'il y avait une note en disant que le mot de passe pour ouvrir la porte à la fin, c'était le nom du docteur. Il s'appelle Midkiff. C'est-à-dire qu'il kiffe à moitié. Restez particulièrement vigilant avec le patient de la chambre 312. Restez. Allez, c'est la mouche. Oh, la mouche. Ce soir, il y a des blagues de qualité. Restez particulièrement vigilant avec le patient de la chambre 312. Sa liberté religieuse doit lui être préservée à l'hôpital, mais il ne doit pas imposer sa foi aux autres. Oui. Je crois qu'il y en a plein qui en prennent de la graine de ça. Je suis une victime aussi. On dit qu'il a poignardé quelqu'un après une dispute sur la religion. Soyez très prudent. Bill Cosby. Non, R. Cosby. PS. La rumeur semble fondée, à en croire l'infirmière en chef. Je le crois bon tout de même. Il est de commerce facile. Bon, c'est quoi cette traduction? Il est de commerce facile. Les grands esprits Midkiff, ça va rester ça. I had one before, but she was driving me crazy all the time, non-stop. Ah, my poor William. R. Crosby est connu des femmes dans son quartier. Il a fait exprès de marquer dans son quartier. Attendez, il y avait une porte qu'on pouvait déverrouiller. Hein. J'ai souvenance. Hein. Ouais, voilà, la D-Room. Mais merde, à la limite, vaut mieux la faire au sabre, elle. Tiens, prends ça dans ta nuque. La nurse. On va s'occuper de toi, hein. J'ai bien envie de reprendre le katana, hein, si c'est pour se faire ça, hein. Bon, ok, là, c'est blocade. Allez, attendez, je vais vous lire. Qu'est-ce que vous me racontez comme bêtise encore? I agree with you 1000%. Une très Crosby. Prends ça dans la nurse. Vite, vite, un papier, un stylo. Un one-man show. Allez, tout le monde est en forme, ça fait plaisir. Bon, on pouvait pas passer par là. Hein. Là, j'ai oublié une porte. Non. Oh putain, mais. Ah oui, on la moleste bien avec le katana. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut pas du tout. Autant sur les petits. Autant sur les petits, le flingue est bien. Autant. Attendez, on va se remettre de la vie. Hein. Là, on est dans la panade. On n'est pas terrible niveau vie. Hein. Je vais me remettre un coup. Hein. Merde! Putain, j'ai utilisé une grosse trousse. Qu'est-ce qu'on a trouvé là?
Oula, tout s'est calmé. Oula, oula, regardez-moi ça. Viens de battre. Viens de battre, c'était un homme. Bon, on a trouvé un peuplard. Vite, vite, un papier, un stylo, un macho, hein. Je suis dans une lancée de calembour, là. Calendose, calembour. Oh, tu m'as perdu. Là, tu m'as perdu. Sur la dernière, tu m'as perdu. Alors, the world is... Oh, elle va tout nous traduire. Le monde grouille d'inutile. Je lutte contre la décision de Dieu, comme chevalier de l'honneur. Protecteur du sceau, je me sacrifie au sang des assassins. Qui a écrit ça? Quelqu'un de tordu sans aucun doute. J'ai envie de lui demander. Alors, tu crois que tu es utile? Mais j'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette histoire de protecteur du sceau. Le protecteur du sceau, mais mon dieu, mais c'est pyramidehead. J'allais dire pinhead. Ok, donc là, il n'y a que par ici qu'on ne sommes pas allés. Tout ne sera pas bon, bah oui. Putain, mais je me suis... Hey, j'ai pas fait exprès, je me suis arrêté vraiment au bord du précipice. The world is tearing unnecessary people. Le monde grouille d'inutile. Je ne sais pas quelle phrase choisir pour mon épitaphe. Moi je sais. Il aimait la vie, mais la vie ne l'aimait pas. Une excellente épitaphe pour Nick Taras. Excellente épitaphe pour Nick Taras. Bon, alors là, oui, c'est le bordel sur la map. Hein. Je ne pourrais pas dire. Il y a un endroit où nous ne sommes pas allés. Où nous ne sommes pas allés, pardon. Je ne sais pas quelle phrase. Oui, non. Et je t'agréais au-dessous. Moi non plus, je ne t'aimais pas. Non, mais tu seras mort. Donc tu ne pourras point. Bon, on reprend. Mais du coup, comment on ouvre? Attendez. Là, on est bien d'accord que là, il y a une porte à déverrouiller. C'est verrouillé. On est bien d'accord. On va reprendre l'ascenseur. Où nous ne sommes pas allés? Un peu partout. On va faire le B1. Il veut pas. B2, il veut pas. B3. Je me ferai enterrer avec un stylo, on ne sait jamais. Un réveil à la Back from the Living Dead 2. Oui. Ou l'excellent film que je viens de revoir il y a pas longtemps. Il y a un 8 là. Hein. Il y a un 4. Je me suis revu les films de The Beyond, non, oui, L'Au-delà, Frayeur, et le troisième, je sais plus comment il s'appelle ce réalisateur, c'est très très bon, l'italien là. Bon, il y a une énigme là. Toi qui aimes les énigmes, Nick Taras, là tu vas être ravi. Hein. Return of the Living Dead, oui, alors moi je veux bien le 3. Je crois que le premier était plus une comédie. Donc là, on a des chiffres. Hein. Vous voyez, 6, 2... Qu'est-ce que ça nous dit? Bah d'accord. Ah oui. Bon, ok. Bon, bah on ne sait pas là pour le moment. Et là? On vaporise du sang là-dessus? Non mais moi je suis prêt à tout maintenant, le jeu m'a habitué à des choses complètement folles, donc... Ah, on peut l'avoir sur nous? Non. Yeah, Lucio Fulci, merci. Je les ai en collector. Une petite pause cinéma. Je les ai en collector, ça faisait longtemps que je les avais vus, je me suis rematé Frayeur, The Beyond et le manoir, alors je sais plus le nom, je l'ai là, je me suis rematé les trois là, bon, c'est des coups de cœur, hein. Ça a vieilli mais ça a inventé, ouais, c'est pour ceux qui aiment le poisseux et que c'est grouillant de choses, bon, c'est des films à voir, moi je suis très fan. Non mais me dis pas la solution hein. Tu me dis rien, j'aime pas être spoilé par contre. Hein. Oh là, on va pas être copains. Hein. J'ai envie de tout découvrir moi-même là. En plus, tu dis complètement au hasard, tu sais pas du tout. Regardez, 0, 9, 7. Comment veux-tu qu'on sache? Attendez.
On est où? Ah, on est nulle part. On est nulle part. Je ne te spoil pas, je brille. Éteins ta facecam, grand fou. Ah merde. Pardon. Autant pour moi. Pour la peine, la petite mouche. On est nulle part. Et si on sort de la pièce? Attendez, attendez, attendez. On va la faire, hein, l'énigme. Mais. Ah, je n'ai pas la carte de secteur, ok. Donc on y retourne. Mais. Ah ben non, faut juste ouvrir la porte. Donc là, on. Donc oui, je te disais, il y avait des chiffres romains gravés sur la peinture. Après, ça ne correspond sans doute à rien. Il y a des chiffres romains gravés sur la peinture. Ah mais oui. Mais comme je... Oh là putain, mais ça me paraît évident maintenant que je regarde le retour, mais comme je suis sur une énorme télé, je suis aveuglé de trop bien voir. Merci, merci beaucoup. Alors du coup, oui, là je préfère même regarder le retour, ça, je vois mieux. On a 4, 2, 1, 3. Oui, ben voilà, c'est ce que tu avais écrit. Mais alors pourquoi il y aurait des chiffres sur 4, 2. Ça va pas être ça parce qu'il y a des chiffres sur les lits, il va falloir faire un autre chose. 4, 2, 1, 3. Non. Je le fais dans l'autre sens. 4, 2. Agaçant ça, hein, quand on se plante. J'ai dû faire tout le tour. 4, 2, 1, 3. Non, c'est pas ça. Mais bon, c'est 4, 2, 1, 3. Ça va nous donner. Ne me spoil pas, disait le profane odieux. Alors, la pièce, ça se regarde plutôt comme ça, hein. Il y a des chiffres aussi dans ce sens-là? Oui, il y en a aussi là. Alors c'est peut-être les trucs où il y a... J'essaie de comprendre. Où il y a des corps. Ah, regardez, il y a des chiffres en dessous des corps. Attendez. C'est peut-être les rangées. Là, il y a 4 lits. Non, il y en a 3. Là, il y en a 2. Non, là, il y en a 3 aussi. Ça n'a rien à voir. Mais regardez, là, en dessous le 0, il y a un chiffre, hein. 2, 6. Me spoil pas, hein. Je déteste ça. Je te le dis tout net. Je préfère que tu m'écrives une phrase que tu mettes un chiffre où c'est la réponse. Hein. Je déteste ça. Deux. Non, je vais essayer de le trouver. Je veux pas que tu me donnes la réponse. J'ai pas besoin. Si ça faisait 1 heure, pourquoi pas? Mais là, on n'en est pas là. 4, 2, 1, 3. Est-ce qu'il y a une rangée où il y a 4 lits? Non. Je comprends pas. 4. Attends, 4, 2, 1, 3. Mais il y aurait eu 4 lits, 3 lits, et voilà, bon, ça aurait été plus simple. Non, il y a un truc à faire avec ces draps. Attendez, mais j'essaie de comprendre. Ils nous mettent des chiffres romains. Ok? Donc il y a un ordre. C'est le quatrième, le deuxième, le premier, le troisième. C'est comme ça, hein? Mais alors dans quel sens faut qu'on comprenne ça? Ça veut dire les rangées de lits? Y a combien de rangées? Il y en a quatre. Voilà. Alors, mais dans quel sens aussi? C'est-à-dire
Ça serait les... genre... Ça serait la première rangée. Ça serait la quatrième rangée. Donc ça serait 4. Alors 0. 0. 0, 8. 4, 2. 0, 8, 7, 9. 0, 8, 7, 9. Je le vois comme ça. Non, je m'en fous de ça. Attendez. Je lis pas le chat là. 0, 8, 7, ou 9. Ou alors dans l'autre sens. Si on considère que la première rangée, ça part de la droite. Zéro, sept, je réfléchis à votre... Yep, je te laisse faire, ok. 0, 8, 7, 9. 0, 8... Merde, mais putain. Non. Oh, c'est bien une histoire de rangée quand même. Ou alors c'est pas les draps avec les... Je comprends pas. Je comprends pas. Quand on regarde le... ça c'est bien... Bon, on est bien d'accord. Ça c'est un ordre à faire. 4, 2, 1, 3. On n'est pas con quand même. Bon, si on va sur le lit 4, ça ne nous donne pas une indication. 4. Ah d'accord, attendez. Peut-être que c'est 4. Le 2, il est où? Le 4, le 2, ça sera un 7 maintenant. 4, 2. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Voilà, ça y est, je te demande. Ça me fatigue. Je fais jouer le jeu. William, elle passe. J'avais pas vu ton message, William. I suggest Venus play Resident Evil. Oui. Elle a envie. Resident Evil 7. Yeah, she want to play Resident Evil the 7th. Je suis en train de faire mes probas. Je me dis que c'est les lits drapés. Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais regarde, 4. Ça serait 7. 7. 9. C'était quoi? 4, 2. 1, 3. C'était quoi déjà? Oh putain. 4, 2, 1, 3. Donc on fait comme ça, regarde. 4. 4. 7. 7, putain. 7. 9. 4, 2. 7. 7, 9, 0, 8. 7, 9, 0, 8. Sept, neuf, allez, c'est ça, zéro. Oh merde, c'est pas ça. Ouais, ou dans l'autre sens. Sept, neuf, zéro, huit. Ça dépend de si pour eux, le premier, c'est le quatrième. Sept, neuf, zéro. C'est pas ça. Non. Ou 0879.
Pourquoi? Bah non, là, ça tient pas debout, là. Pourquoi 0879? Tu changes l'ordre des... pourquoi 0 en premier? Ah oui, si on considère... Bah c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. 0, 8, 7, 4, 2... 4, 2, 1, 3, 0, 7, 8. Mais c'est celui que j'ai fait tout à l'heure, non? 0, 7, 8, 9. Pardon, 0, 8, 7, 9. 0. Fatigue là, je vais pas te mentir. 8, 7. 9, non. Ouais, la direction du nord. Si pour eux le nord c'est au sud et le sud c'est au nord. Je trouve ça curieux. Pourquoi ils nous mettent des autres lits à côté aussi avec des chiffres? Comprends pas. Tu sais, c'est ce genre d'énigme, du premier coup tu chopes ou... Puis là je fatigue, hein, je vais pas te mentir. 4, 2, 1, 3. Parce que sinon, regarde, ça pourrait être 4. Après, en fait, tu vois, ce que moi j'imagine, c'est que par exemple, le 2 serait là, mais en fait c'est le 7, parce qu'il y a quelqu'un qui a remis un drap par-dessus, puis maintenant le 2 est un 7. Tu vois? Qu'est-ce que t'en penses? On voit même pas ce que c'est. 4, 2, 1, 3. Ah, c'est ça, 4. Zéro. 8. Quatre. Ah non, non. 2, 0, 8, 7. 9, 0, 8, 7, 9, mais c'est ça. Oh là là, les vieux jeux. 0, 8, 7, 9, putain. Putain, je vais trop vite. 0, 8, 7, 9. Non, ça veut pas. Quatre-vingt-dix-huit, 70? Mais pourquoi? Non, non, mais moi je veux comprendre avant de. Pourquoi Et c'est peut-être 98, 70? Pourquoi 98, 70? On commence par le 4. Toi, tu commences par le deuxième. Pourquoi tu commencerais par le 9? 0 9 7 1 0 pourquoi toi tu 0. Mais c'est pas possible. Les chiffres romains, c'est 4. C'est 4. Ça peut pas être 0, 9. Regarde. Ça peut pas être. Ils sont collés. Ça peut pas être. Ça serait 3. Ça serait 4, 3 ou 1, 2. Mais ça peut pas être ça.
Ah, mais c'est William qui parle. It was William who was speaking, sorry. No, William, it cannot be this. Why you are seeking? It's 0971. What are you thinking? Attends, je vois un grand cadre type morpion sur la peinture. Ah oui, moi aussi maintenant que tu le dis. Donc ça serait c'est la première. Oui, mais il y a que trois rangées. Ça va pas? Une rangée, quatre lits. Alors. Eh ben, on en a qu'une de rangée de quatre lits. Hein. Non, on a celle-là aussi. On peut faire ça aussi, celui-là. Mais non, mais alors. Mais non, c'est n'importe quoi. Sinon, pourquoi ils auraient mis des lits avec des. Ça va pas être ces lits-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je veux bien essayer de faire celui-là. Regarde, 3. Alors, c'est quoi? C'est 4. Putain, je me souviens plus. Je fatigue, là. Vraiment, là, je fatigue. Là, je suis à deux doigts de balancer la manette, là. Je commence à. Ça m'agace. J'aime pas quand c'est trop tiré par les cheveux. 4, 2, 1, 3. Puis je sais que ça va pas être ça. Alors, 4, 2, 1, 3. 4. Alors, ça serait 3. Putain, il retourne 3. 3, 5, 4. 3, 5, 4. 6. 3, 5, 4, 6. Putain! Quatre. Non, trois. Je me souviens plus. Trois. Ah, in fact, my colleague said, ah, yeah, but it's not possible. Prends ton stylo, ton papier et fais le plan de la piole. Mais j'ai pas besoin de faire le plan de la piole. Ils sont là. Mon dieu. Je suis pas idiot quand même. Ah oui, pour la caméra, oui, là, je peux te revenir. C'est 3, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 6. 3, 5, 4, 6. 3. Mais ça va pas être ça. Hein. 5. Non, non, c'est un truc plus con. 4. Ah, ça m'emmerde. Ça me fait chier parce que toute la VOD était fluide et là, ils nous foutent un truc un peu à la con. Ça me gonfle. Putain. Fais le même quadrillage que sur la peinture. La rangée de 0, il y a combien de lits? Je comprends pas. Tu me dis. Il n'y a pas de rangée de 0. Mais en plus, ce que tu dis, je comprends. Hein. Mais regarde. Il n'y a que 1, 2, 3. Ah, si, il y a 4 quand même. 1, 2, 3, 4. Mais il n'y a que 3 rangées. Il n'y a que 3 rangées et là, on n'a pas 3 rangées. Ah, si, on a 3 rangées aussi. Quatre fois 3. 3 fois 4. Il y a 9 cases. Oh putain. Allez, je fais un dessin. Hein. Oh merde. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Allez, maintenant que j'ai fait ça, je vais la prendre dans l'ordre. Mais non, regarde. Ouais, bon, ok. Allez, 7. 3. Et 1. Ok. Après, c'est 8 et 4. 8 et 4. On n'a pas l'autre, bien sûr. Ah putain, faut se retourner.
Apprends. C'est 9 et 5, mais faut pas se tromper. C'est comme ça. 9 et 5. Et le dernier, 0 et 6. Eh bien, on est bien avancé. Fais le quadrillage que sur la peinture. La rangée du 0, il y a combien de lits? Je vois pas ce que tu veux dire par la rangée du 0. C'est quoi la rangée du 0? Il n'y a pas de... Qu'est-ce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'appelles la rangée du 0? Il y a 0 lits sur la rangée du 0. C'est ça la rangée du 0, là? Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends pas ce que tu veux dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est bien ça, il y a 3, 4 fois 12. 3 fois 4, 12. Il y a 4 rangées de 3 lits. Please try, he wants you to try it. I mean, it cannot be that, William. It cannot be that, because look. We have to find 4, 2, 1, 3. Yeah, you see, and the bed have to be in this order. So about the number your colleague said, it cannot be two bed close because you understand. Sorry for my English. T'es sûr d'avoir pris tous les numéros de 0 à 6? Ben oui. Oui, j'ai pris le 0 et le 6. Il y a un lit drapé avec 0 à côté du 6. Ah oui, tu as raison. Il y a 0, 6 et 2. Ouais. Attendez. Je me suis planté. Le 8 est là. Non, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Là, j'ai tout le plan. Mais bon, ça me dit pas plus. Salut, Speedros. Tu vas nous aider, Speedros. Speedros, je vous le présente, c'est mon frère. Et c'est le plus malin de la famille, donc il va nous aider. He said he opened it a few days ago. Ah, yeah, but we don't want the answer. We want to understand. Sorry. Test donc 7, 8, 9, 2, mec. Si c'est ça, je t'expliquerai. Non, mais ah non, je veux pas qu'on m'explique après que je veux comprendre, je veux le faire. Je ne connais pas cette personne. Alors, le matériel, regarde. On a une chambre comme ça. Avec des lits. Tu vois? Là, on a 7, 3, 1... Là, on a 8, on a 4, 5, 9, 0, 6, 2. Voilà, on a tout ça. Le seul indice qu'on a, parce qu'on doit ouvrir ce cadenas, on doit trouver 4 chiffres. Ok? Tu prends ta petite carte et tu la tournes à 90 degrés. Attends. Et on doit trouver 4 chiffres, Matae. Et le seul indice que l'on a, c'est ça. Pour trouver les bons lits, les bons chiffres. C'est cette espèce de gravure où il y a 12 cases. Et en chiffres romains, c'est marqué 4, 2, 1, 3. Ah, Vénus, elle est très forte aussi pour ça. Tell me, Vénus. Ok, je note. Can you help me, Vénus? Est-ce que tu peux nous aider? Tu prends ta petite carte et tu la tournes à 90 degrés. Pourquoi tu veux que je tourne à 90 degrés? Donc ça serait 9, 9, 8, 0, 7. Tu peux montrer la position des lits, je note les numéros. Ah oui? Regarde, on a ça, tu me dis quand t'es bon. 2, 6, 8. 7, 8, 9, 2. Attendez, on peut pas faire tout avec tout le monde là.
Je peux pas faire les solutions de tout le monde. C'est bon, tu l'as là? Parce que là, vous doutez bien que là, dans mon chat, j'ai des chiffres. Et je peux pas. Je suis en train de montrer à mon frère. Parce qu'il est pas souvent là, il va jouer un peu avec nous. 5 et 9. C'est bon? Ok. Alors attends. Les autres, regarde, attention, hein, ça va être à l'envers. Hein. Donc ça va être, le 9, ça va être en face du 9. C'est un 8 et un 4. C'est vraiment mon frère. Hein. Je vous raconte pas de bêtises. Ok. Et après, la dernière rangée, c'est 7, 3, 1. Après, je voudrais bien qu'on m'explique. Bon, pour la peine, regarde Mathé, c'est la petite mouche. Et voilà. Et Vénus, tu peux nous aider si tu penses. Mais je peux pas faire toutes les solutions de tout le monde. Hein. C'est ça le... Ah bah je savais que ça allait te plaire, ma petite mouche. Allez, pour la peine, je la remets. Ah yes, je reviens sur 7, 8, 9, 0. 7, 8, 9, 0. Oui, non, mais ça, toi, tu lis juste la rangée, mais c'est... Ça, c'est... 7, 8, 9, 0, ouais. Mais c'est juste la rangée, quoi. Pourquoi il serait fait chier à mettre tous les autres lits? Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Ou 0, 9, 8, 7. 0. Mais ça peut pas être 0, 9. Putain, bordel de merde. Regarde, c'est forcément 4, 2, 1, 3. Pourquoi toi tu dis 0, 9, 8, 7, 0, 1. Mais non, mais ça correspond pas avec l'indice. L'indice, c'est 4, 2, 1, 3. Pourquoi tu colles le 0, 9? Pourquoi se faire chier à mettre les autres lits pour m'emmerder et me faire coucher à minuit? Je suis d'accord avec William. Tu vois, c'est pas possible. Il y a 4, 2, 1, 3. Donc il faut qu'on prenne dans l'ordre. Alors moi j'avais tenté 0, 4e lit. Après 2, j'avais tenté le 8, après 7 et puis 9, mais bon, c'est pas ça. On a tenté aussi avec la deuxième truc, alors si vous savez, 0, 8, 7, 9. 0, 8, 7, 9, bah oui, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors attends, regarde, tu vois, ça marche pas. 0, 7, non, 0, 9. Pourquoi 9? Mais tu peux pas! Putain, mais j'ai pas envie de le faire parce que ça va m'agacer. Si c'est ça, c'est pas possible. 0. Je vais le faire. 8, 7, 9. 0. Elle est énervante, Vénus. Là, regardez pas. Elle a fini The Witness. Elle trouve tout de suite du premier coup. C'est super énervant. 0, 8, 7, 9. 0. 8. En plus, il n'y a pas de musique. Là, on a perdu tous les followers. 0, 8, 7, 9. Non, c'est pas ça. Ou 7, 9, 8, 0. Alors. 7, 9, 8, 0. Non, c'est pas ça. Et Vénus, qu'est-ce qu'elle dit? Je signale qu'il y a plus de monde quand tu galères que quand ta progression est fluide. C'est à cause de la mouche. Et c'est mon frère qui est là, c'est pour ça, ça attire les gonzesses. Qu'est-ce que je te dise? Il est très beau, mon frère. Bon. C'était quoi que nous disait notre ami William? William, give us your number. Vénus disait 0, 9, 7, 8. Mais c'est ce que j'ai déjà fait. 0, 9. Ah non, j'ai pas fait. Mais parce que c'est pas possible. 7. J'espère qu'il n'y a pas une cinématique, je veux comprendre.
Non, c'est pas ça. 0978. It's not this. 0971. Non, it's not this too. Ah, vous êtes tous faux. All of you, you are wrong. Shit community. Ah mon dieu. C'est quoi cette communauté de bras cassés? Et c'est 1480. Non mais regardez, bah. Alors, Venus, can you help us? Look, we have this example. 4 in Roman number. My name, Roman number. 4, 2, 1, 3. Okay? And we have all this shit bait. Je l'ai tenté le 0971 ou pas? Je sais plus. Oui, on vient de le faire. Alors peut-être dans l'autre sens. Zéro. Et Matai, il nous a laissé tomber, hein. Enfoiré. C'est mon frère, il m'a laissé tomber. 09. Non, c'est pas ça. Me, just now, I join, I want to help your friend. Ah ah, j'essaie de comprendre. Tu vois, c'est pas simple. Non, non, mon frère est... j'ai pas peur de le dire. Petite confession entre nous. Mon frère est une des rares personnes que je considère être plus intelligent que moi. Alors c'est pour ça que je lui demande de l'aide. Je sais qu'au fond de moi, ça me fait mal de l'avouer, hein, il est plus intelligent que moi. Donc, et en plus il a la fougue, il a la jeunesse, il a 24 ans, il vient de les avoir. Alors il va nous trouver ça vite fait. Il a eu des médailles de joueurs d'échecs. Hein. Il a eu des coupes. Vous vous rendez compte? Donc, it's a chess master. Donc, il va, ça, c'est de la rigolade pour lui, normalement. Normalement, Matai, ça, c'est de la rigolade pour toi. C'est de la rigolade. J'arrive pas à comprendre, moi, le truc. T'as noté tous les numéros. T'as vu Ou alors... j'aimerais bien que Vénus ou William. Do you have some guess? Enfin, comment on dit? Des suggestions. Suggestion? En anglais? S'il te plaît, do your best. Hints. Merci, Nick Taras. Do you have some hints, William, Vénus, please? Moi, je trouve pas. Alors, pendant ce temps-là, je meuble avec la mouche. Mais combien de temps on va meubler comme ça avec la mouche? Combien de temps on va pouvoir meubler avec la mouche? How long can I... hein? With the fly. Hein? How long? I wonder. Je me demande. On va pas y arriver. Et en plus, je suis en train de penser un truc. Ça se trouve, le cadenas... Quand on met le code, c'est pas au milieu. Ça se trouve, c'est ici qu'il prend en compte. Alors ça me ferait bien marrer. ça me ferait bien marrer que ça soit ici qu'on doit mettre la réponse. C'est pas au milieu. Ah, furniture. How long can I furniture with the fly? Voilà. Moi, je dis oui en plus comme un con. Okay. Oui, c'est vrai, un meuble, c'est furniture en anglais. Ah, tu m'auras fait rire au moins. C'est bien. Mon Dieu. Bon, personne. Qu'est-ce qu'il y a? On s'arrête ici? Voilà, c'est comme ça. J'ai une communauté. Je pensais que le cadenas représentait la ambre, t'imagines? Alors, je sais pas ce que c'est la ambre. J'ai pas compris ce que tu disais. C'est le mec trop con, trop chiant. J'ai pas compris ce que tu racontais. Oui, je sais, la chambre. Je pensais que le cadenas représentait la chambre, t'imagines? Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, t'en étais là. Ah oui, non. Non, allez, moi je note bien les chiffres. Et vous savez quoi? J'y ai pas vraiment réfléchi, moi, à la solution. Et il va falloir que je mette les mains dans le cambouis, comme la dernière fois. Il va falloir que je mette les mains dans le moteur, et c'est moi qui vais trouver. Alors, essaye 8907. Je sais pas si ça a été fait. Alors, pourquoi tu dirais 8907? Allez, on n'est plus à se poser de questions. On va tenter.
8907. Ah, pardon. Pour la peine de la mouche. 89. Et après, je veux savoir. Hein. C'est pas ça. 42-13. Ah, ça me fait plaisir. Personne trouve. Ça veut dire qu'elle est quand même un petit peu chaud. 42-13. Non, y a pas. Ok, I need to see the room. I don't care to guess. Parce que les cadavres sont de gauche à droite. Qui dit mieux? Et les chiffres romains disent près alors 90-78. Alors, 80... Mais ça peut pas être 98. Attends, bon, on va voir. 98, 70. Et je veux savoir pourquoi. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas 98, 78. Non. 70. Alors, j'essaie dans l'autre sens. 98... J'essaie dans l'autre sens parce que ça, peut-être que c'est monté à l'envers aussi. On sait pas. Non, c'était quoi 90-70 hein. Non, c'est pas ça. Bon, les mecs, je vais me lever les dents et me foutre en pyjama. Les chiffres romains, c'est 4, 2, 1, 3, oui. Du coup, faudrait prendre les chiffres des brancards dans cet ordre. Bah c'est ce que j'ai pensé. Mais on n'a pas le 4. C'est caché. Genre il faudrait faire... Alors j'avais pensé à ça aussi. Genre ça serait 4. Le 2. Peut-être que... il est où le 2? Peut-être que le 2 c'est le 7. C'est ça que tu veux dire? Mais il marche pas apparemment. Vous me dites hein. Mais marche pas apparemment. Ouais, Spy, ça fait une heure qu'on est sur ce truc des brancards. À la limite, le 2 serait là. Genre, ça serait un 7. Moi, je vois ça comme ça. Je vais essayer de faire comme je l'entends, là. Vous êtes des nazes. 1. Mais on n'a pas de 1. On l'a pas, le 1. Et on n'a pas de 3 non plus. C'est quoi, ça? On arrive à voir un peu? C'est ça, le 3. Le 3, c'est le 9. C'est sûr. Regardez, on voit bien que c'est un 3. C'est une fin de 3, ça. On le voit, là. Et le 0... Et le 0... Allez, c'est 47,90. C'est moi... Ah non, non. Non, non. Le 9, c'est à la fin. Et là, c'est le 0. Allez, moi, je dis 47,09. Attendez, je vous lis. Mais moi, je tente mon truc. Parce que il n'y a pas que vous qui jouez. Hein. 47, regardez. Merde. 47-09, c'est moi qui vais trouver. Et là, vous allez comprendre pourquoi c'est moi qui stream. Hein? 47-09. Ah merde, je suis dessus. Putain, dans l'autre sens. Allez, me fais pas ça, ils vont tous partir. 47. Allez, me fais pas ça, là. Après, je vais chialer. 47-09. Non mais c'est ça. Merde. 42-87 me dit Vénus. On tente. Mais attendez, je vous lis dans l'ordre. Hein. 42-87. Parce que Vénus, elle est très très forte. Non, c'est pas ça Vénus. Je pensais dans le sens de la salle. Quand tu es face à la porte, les 4-2-1-3, ça fait... 89-70. Attends. Attends. Je pensais dans le sens de la salle, quand tu es en face... Quand tu es face à la porte... C'est-à-dire comme ça. Je peux pas. Comme ça. C'est ça que tu veux dire. Quand tu es face à la porte, les 4-2-1-3... 4-2-1-3... Non, là, je comprends pas ton raisonnement.
Qu'un 2, un 3. Et ça fait 8, 9, 70. Comprends pas. Comprends pas. Clicky Salvateur, allez, oui. Non, 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 mais moi je crois que je suis sur la bonne route. Il nous dit que. Il nous dit que c'est 4. 4, 2, 1, 3, c'est l'ordre dans lequel il faudrait prendre les numéros, oui. Donc en premier, le 8. En deuxième, le 9. En premier, le 8. En deuxième, le 9. Mais non, mais ils sont au milieu de la pièce. Pourquoi. Pourquoi. Alors, dis-moi pourquoi le. Pourquoi le 4. Quatre, deux, un, trois serait l'ordre dans lequel il faudrait prendre les numéros. Donc en premier, le 8. Pourquoi le 4 serait le 8? Il n'y a pas de 8 à l'extrémité. Il n'y a pas de 8. Je comprends pas pourquoi ton 4 serait un 8. J'essaye le truc de Vénus. C'est ma femme, hein. Sinon après, elle va pas vouloir me faire de bisous. 42, 87. Mais oui, we tried. Already, Vénus, it don't work. Je prends que le numéro où il y a des cadavres. Bon, ok, écoute, je fais ce que tu me dis. 89, 70. J'ai pas compris. Tu m'énerves. Non, c'est gentil de m'aider. 89, 70. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Je suis à deux pas de checker la soluce, les amis. Rien que pour aller me coucher. Non, non, non. Moi, je check pas la soluce. Je vais trouver. Je vais trouver. 4, 2, 1, 3. Ou alors, une rangée où il y a 4 lits. Mais il n'y a pas de rangée où il y a 4 lits. Donc comme ça, c'est réglé. C'est pas ça. Ah si. Il y a une rangée là où il y a 4 lits, c'est ça. Mais bon, il y a 4 chiffres différents, on est dans la merde. 4. Il y a une rangée où il y a qu'un seul lit? Non. C'est pas ça non plus. Demain après-midi, lors de la radif, et ta liste des 3, 4, 5, 6. J'ai pas compris. Moi, j'ai envie de vous retrouver demain après-midi lors de la rediff, ok? Et la liste des 3, 4, 5, 6. J'ai pas compris, Nick Taras. Je reviens, je vais dire bonne nuit à ma dulcinée. Ok, pour la peine de la petite mouche. La petite rangée de lits vide, on l'a pas farfouillée, celle-là. Bah oui, non, mais c'est... Non, mais moi, je pense qu'il va y avoir... Il y a un mix à trouver. Non, mais il y a un mix à trouver entre les lits qui ont un numéro... qui remplace le numéro officiel, et bien sûr les autres lits. Par contre, s'il y a un truc où je suis sûr, regardez bien, c'est que le 9 c'est le 3. Ça j'en suis convaincu, on le voit en dessous. Donc moi je vais essayer de faire mon bise. Le quatrième lit, le 0. Je sais pas. Je sais pas, je suis fatigué là. Je fatigue, je comprends rien. En gros, les draps seraient des leurs, et donc deviner les numéros qui s'accrochent en dessous. Oui, bah oui. Regarde, on voit bien. Non, en fait, non. Je pense que le en fait, c'est pas des leurs. C'est que c'est le numéro en dessous qui nous donne le bon truc. Là, on voit bien que le 3, là. On voit bien que c'est un 3 qui est en dessous. Et c'est le 9. On voit bien que c'est un 3. Là, c'est un 3. En dessous de celui-ci, là, c'est un 0. Donc, le.
Non, ça peut être un... Je sais pas. Mais il n'y a pas déjà un 3 quelque part? Il n'y aurait pas de lead 3? Non, regardez, il nous manque exactement. On a quoi comme chiffre? On a 1. Ça se trouve, c'est tout simple, hein. C'est 4. Ça se trouve, c'est tout con, ouais. C'est 4. Et 1 et 9. 4. Il faut qu'on trouve le 2. Y a pas de 2, hein. Ah, il est là, le 2. Pff, ça se trouve, c'est 4, 2, 1, 9. Et puis voilà. Allez, regardez ça. Ça se trouve, c'est aussi con que ça. Y a qu'un numéro qui change. 4, 2, 1, 9. Non, c'est pas ça, évidemment. C'est dans l'autre sens. Pour de me taper la honte jusqu'au bout. 4, 2. Non, c'est pas ça. Mon Dieu. Fait ligne par ligne, on va procéder par élimination. Mais je comprends pas, c'est le problème, on n'est pas dans la même pièce. Alors quand tu me dis fait ligne par ligne, je sais même pas de quoi tu me parles. Ligne par ligne, qu'est-ce que tu veux dire par ligne par ligne? Parce que toi, dans ta tête, là, une ligne, je vois bien ce que tu veux dire. Mais pour moi, la ligne, ça peut être cette ligne-là, ça peut être la ligne comme ça peut être la ligne là. Tu vois? Ça peut être les quatre lilas, ça peut être les deux autres. Ça me parle pas, quoi. Fait ligne par ligne. Ah merde, sur mon plan. Tous les numéros y sont. Ah putain, bordel de couilles. Bordel de pompe à queue, comme disent les anciens. Qui sont très respectables d'ailleurs. Très respectables. On s'en fout de la ligne, faut juste trouver tous les numéros. Bah oui. Évidemment. Mais non, parce que tu me marques je sais plus. Tu m'écris fait ligne par ligne, mais je comprends pas ligne par ligne. Faut voir tous les numéros des lits vides pour deviner ce qui se cache en dessous. Vas-y, continue. Le numéro des lits vides? Quoi? On s'en fout des lignes, il faut juste trouver tous les numéros. Voir tous les numéros des lits vides. Ben, les lits vides, on n'a pas besoin de trouver les numéros, on les voit. Le 5, c'est le 5, le 6, c'est le 6. Pour deviner ce qu'il se cache en dessous. Mais comment il n'y a pas besoin de deviner, ils sont là. 3, 4, 5, 6. Ah, c'est dans l'ordre là. Mais attendez, les chiffres, ils sont dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le mec, il nous dit 4, 2, 1, 3. Donc ça serait... Attendez. 9. Non, ça serait 0. 0, 4, 2, 8, 1, 7 et 3, 9. Ça serait 0, 8, 79. Putain, si j'ai trouvé 0, 8, 79. Oh merde, c'est pas ça. 4. Alors, j'essaie dans l'autre sens. 0, 8, 0, 8, 0, 8, 79. 0, 8. C'est pas ça, putain. Diable, je trouve 7, 8, 7, 8, 9, 0. 7, 8, 9 et 0. Alors, je peux essayer, hein. On est là pour jouer, hein. 7, 8, 9, 0. Non.
J'essaie dans l'autre sens. 7, 8, 9. Merde, j'ai déplacé, mais bon, ça aurait été le bon, il m'aurait fait clic. Non, c'est pas ça. 79,08. Ah mon Dieu! Mais je veux comprendre, hein. Moi, ça me rassure, hein, que personne trouve. Parce que là, on a quand même des fines lames là sur le chat, hein. On n'a pas des cons, hein. Là, on n'a pas des cons. Donc si on trouve pas avec nos cerveaux, moi je vous rappelle, j'ai quand même 145 de QI, hein. Bon, je suis feignant aussi, donc là je réfléchis pas trop. Ouais, oui, mais alors explique-nous pourquoi, Flash? Déjà, bonsoir, hein? La politesse, s'il vous plaît. Non, alors, Flash, Flash Clash Montsouffrance Laza. Pourquoi donc 7809? Quelle est donc cette diablerie? Comment ça t'est venu comme ça? Alors, lui, il sort de nulle part avec le code. Oui, mais bon, je me méfie d'Internet, il suffit juste qu'il aille regarder la solution. J'en sais rien, il dit même pas bonjour. Il arrive, il est... Bon, pour la peine, il a la petite mouche. Moi, je veux qu'il développe. Il sort d'où de... Tu sors d'où de ton petit panier? Déjà, je me méfie rien qu'avec le pseudo. T'as quel âge? Tu viens d'où? T'es qui? Quelle formation as-tu? Hein? Non, non, nous on veut comprendre. Parce qu'à la limite, il met 78,09. Bah oui, toujours ici. Mais il y a quelqu'un qui vient d'arriver, la Flash, je sais pas quoi. Ça doit être chiant pour lui de remarquer son pseudo à chaque fois. Il est très gentil, il nous donne une proposition, mais il veut pas développer. Alors bon. C'est comme s'il avait été voir la Soluce, et puis voilà, mais moi je veux comprendre. 78,09, ça fait 4. Non, c'est pas possible. On peut essayer, hein. Mais si c'est juste pour venir et balancer la soluce, c'est naze, quoi. Sans dire bonjour, en plus. Je suis agacé, là. Hein. Ceux qui me connaissent le savent. Hein. 78. En plus, on l'avait tenté, ça, non? Non, bon, je suis rassuré, c'est pas ça. Bon, merci de ta participation, hein. Alors, qui demandez-vous? Quelle formation avez-vous? Non, c'est pas tout le monde est parti. Des faibles. J'en suis un, crois-moi. Je suis le live depuis 3h30. Non, ça fait 2h20. Alors, j'ai adoré le premier quart d'heure, mais là. Ben non, mais tout a été complètement fluide jusqu'à cette maudite énigme. Puis on a eu un troll là qui arrivait. Peut-être que c'est pas un troll, mais il veut pas s'exprimer. Alors, pour moi, c'est un anonyme. Je suis obligé de le considérer comme tel. Il se dévoile pas, il balance un chiffre. Ça m'aurait plu, moi, qu'on communique. Qu'il y ait un petit peu une sorte d'amitié qui se fasse. Et pourquoi pas un petit follow. Et puis après, quelques petits bisous. Enfin, bon, bref. Mangez pas de ce pain-là, Flash. Alors, j'ai adoré le premier quart d'heure, mais là, ah, Spy, dans un monde normal, il aurait tiré depuis belle lurette. Non, mais bon, écoutez. Non, non, mais il faut absolument que sur ma à la fin de ma VOD, il y a la solution. Et là, je vois pas, quoi. Je peux pas laisser une VOD où il y a pas la solution, quoi. Vous comprenez? 4, 2, 1, 3. Putain de merde. Je reprends mon bloc-notes. Et en plus, c'est même pas juste son truc. Il y a 12 cases. Là, il y en a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 fois 4, 12. Non, c'est bon. Je comprends pas, hein. Je crois que je serai pas à la fin de ta VOD. 16, 78. I hope it is, hein, Vénus. I hope you are not joking, hein. Tout le monde est fatigué ici. Alors, Vénus, si tu dis des bêtises, j'essaye. 16. C'est rigolo, hein. Il y a ton beau-frère qui est là. Il y a toute la famille. 16, 78.
Non mais Vénus, ça peut être surprenante, hein. Je l'ai vue sur The Witness, elle me trouvait des trucs, mais je... C'était même des fois j'avais honte. J'étais agacé qu'elle trouve aussi vite. The Witness, il est difficile comme jeu d'énigme. Hein. Non, c'est pas ça, Vénus. 1492, mais c'est ça, c'est Christophe Colomb. Hein? Tu l'as fait exprès. Oui, voilà, Christophe Colomb. Moi, je vais aller le marquer, n'importe quoi. Non, je vois pas. Si vous voulez avoir une vue d'ensemble, je peux faire ça, mais. Tout le monde a noté les chiffres, hein. Je sais que c'est pas évident quand on n'a pas la manette en main. Fous-toi dans un coin et meurs. Ouais. Non. Je suis plus d'humeur à blaguer là. À la limite, je suis d'humeur à mettre la mouche. Mais non, non. C'est un truc logique. Je vais remettre les mains dans le cambouis. Allez. 4, 2, 1, 3. Ça pourrait être 7. 9, 8, non mais qu'est-ce que j'ai fait? 7, 9, 0, 9. Ben c'est pas possible, il n'y a pas deux fois le même chiffre. 4, 7. 9, 0 et 8. Allez, 79, 0, 8. Moi, c'est mon dernier mot, hein, Jean-Pierre. J'essaye vos numéros juste après. J'ai mis les mains dans le cambouis. Moi, c'est ma proposition. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Je crois qu'on l'a déjà fait en plus. 79, 0, 8. C'est pas ça du tout. Je l'essaye dans l'autre sens. Vite fait, 79, on l'avait fait, hein, je crois, hein, malheureusement. 79, 0, 8, c'est pas ça. Alors, ou alors, fous-toi dans un coin et meurs. 36, 64. Pourquoi 36, 64? Non, mais me racontez pas des conneries, hein. Il est trop tard là maintenant pour déconner. Hein. Moi, je veux la solution, hein. 36, non, 35, 64. 35. 64, mais là, aucune raison. Mais non, mais c'est n'importe quoi. 35, 64, ou alors 64, 53. 64, 63. 64. 64. 53. J'ai pas encore fini de lire. Attendez. 53. C'est pas ça, c'est pas ça. Rapport à la ligne des 4 livides. Ah là là, n'importe quoi. Si ce n'est aucun des jeux, je vais me coucher. Sinon, hein, me coucher aussi. Non, non, vous m'en donnez trop. Moi, je veux des explications. Quand tu as mis le code, faut pas cliquer sur le cadenas pour valider ou quelque chose? Non, 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 non. C'est un jeu où dès que on a eu déjà plusieurs codes depuis le début, c'est pas idiot, hein, ce que tu viens de dire. Mais non, non, ça ouvre automatiquement. 36, 46. Mais non, mais tu donnes plein de numéros. Je vais pas les. Faut. Non, non. Il y a une logique à ce jeu. Si on met des numéros au hasard, vous avez vu, il y a 10 chiffres, hein? Ça fait 40 possibilités, hein. Je vais pas m'amuser à faire 40 possibilités. Et encore, non, il y en a plus, parce que il y en a plus. J'ai pas envie de vous expliquer en mathématiques, mais voilà, donc je vais pas m'amuser à mettre tous les chiffres qui vous passent par la tête. Quand tu as mis le code, non mais on est toujours au même point. Non, mais bon, bah moi, demain matin, je serai encore là, voilà, c'est tout. Hein, je peux pas continuer. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller regarder la soluce? Après, il y a que 1000 possibilités. Tu pars de 0 à 1 et on continue. Voilà, bah c'est ça. Avec les probabilités, voilà, je remets la mouche. Il faut bien que je meuble. Pas de hasard, mec. On pense logiquement au lit, drapé. Mais il y a un deuxième rangée de lit vide. Ça aurait pu être ça. Allez, est-ce que quelqu'un peut regarder la soluce? Vu que. Ah, bah alors, Mathaï, tu m'as déçu, là.
Venus et Matteo, you disappoint me. I'm really disappointed. Je suis déçu par ma femme. Ma femme. Et mon beau-frère. Mon beau-frère. Mon frère. Voilà, on se tape la honte. Alors moi, que je me tape la honte en streamer, c'était un choix. Je me suis mis en avant, je monte mon visage. Mais alors que là, ma femme se tape la honte et mon frère en même temps. Les Martin, on en prend un coup, là. Oui, parce qu'on est la famille Martin. Pas de hasard, mec. On pense logique. Ouais, non, voilà. 92-71. Bah oui, mais il faut que ça soit mûrement réfléchi, hein. 92-71. Ah, oh, mais alors. Mais non, pas du tout. The picture is a top-down view of the cremation room. Is a top-down view of the cremation room. Oui, bah oui, c'est une vue du dessus de la cremation room. Donc oui, oui, c'est bon, on a bien compris. Hein. 7, 8, je sais, je l'ai sous les yeux. Et alors? Donc ça serait... Bah oui, mais alors, ça change quoi? C'est vrai qu'il nous montre que 3. Donc 4. Le premier, c'est 9. Mais qu'est-ce que je suis con! Pourquoi je commence toujours par le 4? En fait, il faut le faire dans l'ordre. C'est 9. Putain, mais je suis vraiment con. C'est la fatigue, ça. Hein. 9. Mais non, mais c'est ça, c'est ce que vous me dites depuis tout à l'heure. 9. 8. 9. Attendez. 9. 8. 0. 7. 98-07. Attendez, je l'ai, hein. Vous êtes tous des nazes. 98-07. Oui! Vous êtes tous des nazes! J'ai trouvé. Trop tard! C'est moi qui ai trouvé. Mais tu l'as trouvé en même temps que moi. Mais je suis trop con! En fait, je pensais que c'était dans l'ordre, qu'il fallait faire 4, 2, 1, 3, mais en fait, c'était 1, 2, 3, 4. Fallait mettre juste les chiffres dans l'ordre. Mais comment se fait-ce que j'ai pas pensé avant? C'est la fatigue. Allez, on ouvre le chauffe-eau. J'ai une clé incinérée. Magnifique. Alors là, mes amis. Ah, merci, Speedrose qui trouve sur le fil, mais malheureusement après moi. Malheureusement. Allez, on va s'arrêter là. On verra demain à quoi va servir cette clé incinérée. Hein? Je remercie Nick Taras, hein, je remercie Speedrose qui trouve sur le film et qui ne trouve pas finalement. J'ai trouvé avant lui. J'en suis pas peu fier. Je remercie Vénus, je remercie William qui est venu, je remercie même Splash qui est passé nous donner un chiffre au hasard mais qui est reparti aussitôt la queue entre les jambes. Il a dû avoir peur du nombre, la foule sur mon chat. Et je remercie Léa n'était pas là. Beaucoup n'étaient pas là ce soir. Bon, je vous embrasse tous. Je vous dis dès demain à 9h. Alors j'espère que mon frère sera là, hein, parce qu'il me supporte pas assez, je trouve. Hein. J'ai téléphoné à papa aujourd'hui, il va t'en toucher deux mots. Et je vous dis à demain. Et je vous laisse sur mon excellent générique. À 9h, je dors. Ouais, bon, oui, oui. Du matin, oui. À 9h du matin, tu dors. Mais pas à 21h. Allez, j'embrasse Nick Taras, j'embrasse tout le monde. Et je vous laisse sur mon excellent générique. Merci à vous d'y avoir joué. Et puis demain, bon, la clé incinérée, on va voir ce que ça donne. Ok ? Allez, gros bisous.
was born corrupted, as I do not believe in original sin. However, I have been corrupted by life, by circumstance, and by my own foolishness. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. These things trouble me the most. I want to be pure, but I fall so short. Corrosion, rust, death, and failure haunt my every breath and step, and yet I live and write while corrosion bites. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. While corrosion bites, it shows there's some strength in me. Possibly, maybe, decidedly, I will persist. We have a mission. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are. We are all searching for that one moment when the music captures our soul. We live for the music. We die for our music. And that's what makes us who we are.